Solidarité, mes frères et mes sœurs. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Ensemble, nous vaincrons. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Ensemble, nous vaincrons. À Dieu, Maurice, pour la sagesse. Regarde l'assistance de Dieu. Aimez-vous, quel esprit de Dieu. À Tia, la brune, pour la commune de l'Ouest. Chers camarades, littoral, vous êtes la bienvenue à ce séminaire de formation qui est entièrement financé par la Fondation. Le thème, c'est les médias numériques, les jeunes journalistes face aux enjeux syndicaux aux nouveaux défis. Ici à Douala, tout le monde parle anglais et français en même temps. C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Si tout le monde parlait anglais et français, je voudrais vous parler à anglais. Now, why is it expected that in most countries in Europe and America, journalists are again rushing to unionize their colleagues working in the digital media? Journalists in Africa, on the contrary, especially young journalists like you, who work online and their colleagues in the conventional media continue to shy away from the unions with the notions that joining a union threatens their chances of promotion. At the end of this workshop, we have what is called the IFA Working Group on the Digital Economy and Youth Organizing. On a formé des leaders, peut-être 150, mais les jeunes leaders, jeunes de moins de 35 ans, dont la cible qu'on nous a donnée, On n'avait pas cet objectif des jeunes. On avait l'objectif de former 150 leaders. L'ONG dit ceci. Nous devons être une unité forte. La question en fait de dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se comporte, qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui. Quand on est dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, bien avant quand on intervient dans le cyberespace et à fortiori, lorsqu'il s'agit journalisme, on peut donc formuler ce thème ainsi. Le journalisme dans le cyberespace, ce que dit la loi. Il faut dire qu'il y a d'une part, du point de vue de l'encadrement juridique, des règles d'ordre classique et général, celles-là s'appliquent d'office au journalisme et aux journalistes. Il est donc question de dire ici, à côté de cette loi de 2010 sur la cybercriminalité et la cybersécurité, n'oubliez pas, et je sais que vous avez des bonnes notions en droit de la presse, n'oubliez pas qu'il y a le code pénal avant ça qui prescrit, qui réprime un certain nombre de comportements que l'on peut rencontrer dans la pratique journalistique, notamment les infractions de diffamation, de publication de fausses nouvelles. Ils prennent toutes les caractéristiques là, vous font un profil. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui aime, qui fait attention à son image, où elle s'en fout, ils font ce profilage là. Ensuite, ils font le tour de vos comptes sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, Snapchat, tout ça là, ils vous font un maillage complet. Ils veulent savoir, parce que quand ils vont lancer l'attaque, il faut qu'ils vous atteignent sur tous les comptes que vous avez. Donc, la pénétration d'Internet, c'est 6,13 millions de Camerounais. Donc, quand on dit 25%, c'est un chiffre, c'est que c'est 6 millions de personnes. 6 millions de personnes, c'est plus que l'équivalent de la population de Douala. Si on couvre Douala et Chuchané, imaginez donc que tous les gens-là sont sur Internet activement. Sur 6 millions, il y a 5 millions qui sont sur le mobile.
Ça veut dire que, et puis moi j'ai vu une étude qui disait ça il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone, ou en tout cas le mobile, est le média qui a le plus grand reach. Et moi je dis souvent aux gens, s'il y a des raisons dans cette slide ici, c'est parfois, c'est de savoir ce qui est que, oui, je sais que vous avez vu ça, c'est de savoir ce qui intéresse les gens.